à nouveau, on est ici, on sort l'infra, ici, et je vais repasser mon bras pour revenir au-dessus. Et là, vous venez bien poser vos genoux sur la tête et mettre la main ici, en extension. C'est ça qui est important. Donc, je suis ici, je sors, 1, 2, je veux vous frapper quand même dans les parties. Je frappe dans les parties, ma main elle remonte là pour venir ici et m'immobiliser. Ce qui est important, c'est de mettre la frappe. Souvent, si on est direct, on va faire ça et repartir dans l'autre sens. Mais pour l'instant, elle n'a pas pris de frappe. Donc, on fait l'effort, on part sur le même temps que tout à l'heure, ici, et je décide d'amener un autre contrôle. Et je suis bien ici. Vous avez mettre la frappe dans les parties pour l'instant, on reviendra dessus après. C'est juste sur la saisie. Je suis ici. Vous avez vu ma garde, là, je cherche là presque à deux mains. Donc c'est un, je suis ici, hein, et aussitôt je vais capter le bras. Donc c'est vraiment, je suis ici, hop, je chasse, et je vais capter le bras après. Donc c'est vraiment ici, un, et là, depuis cette position, regardez, je suis vers l'arrière, il faut que je l'emmène par là. Donc je ne vous explique même pas l'énergie qu'il faut dépenser. Donc c'est vraiment le tourner qui fait que derrière, vous allez être efficace. Donc vous allez essayer de partir. Vous allez, on va se mettre en difficulté pour que vous compreniez toute l'énergie qu'il faut pour démarrer. Donc je suis ici, je suis parti moi. Et là, derrière, vous mettez la gomme pour repartir dans le bon sens. Donc celui-là, je pars trop loin. Et puis je sais pas, je suis con. Je me dis, je vais quand même l'emmener par là, tu vois. Donc là, hop, derrière. Et c'est moi qui, vous devez être dessus tout de suite. Vous devez rester au contact tout le temps. Si vous lui laissez de l'espace, il est parti, mec. Donc je le fais dans le vide, je suis moins, et là, boum, je réamorce bien pour repartir. Vous avez vu, si je travaille ici et que je travaille sur place, je ne l'emmène jamais.